Là, ça y est. Et un micro. Boum. Bon, Brusque, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Brusque, 30 ans que j'ai ce blaze, Damental Vapors, c'est mon crew avec tous mes potes. Voilà, je viens de Lyon et je voyage. Damental Vapors, DMV, c'est un des crews français avec le plus de notoriété, oula, le plus de légitimité. Ne me parle pas de notoriété. Oh, juste... bah vous êtes très connu, si jamais tu veux que je le peut-être dise d'une autre ou manière. Pas, mais en tout cas, le non, kiff, c'est d'être ensemble. Non, c'est le dessin qui nous a réunis. C'est quoi, vraiment ça le dessin. A commencé à quel moment et bon, ça, c'est Bomka et Kian qui ont créé ça il y a 20 piges à peu près. Non, un peu moins peut-être. Mais après, c'est juste le dessin qui nous a réunis. Voilà, parce que c'est pas autre chose. D'accord. Ouais, c'est le dessin parce que bon, dans l'histoire, il y a Dran qui fait pas trop de graffiti, mais qui fait que du dessin. Il y a des gens comme Lek et Sowat qui font de l'abstrait plus. C'est un crew hyper éclectique qui a réussi à partir dans tous les sens, mais vous êtes toujours un peu unis. C'est une super belle histoire vue de l'extérieur. C'est une belle histoire, sauf qu'aujourd'hui, on est tous assez âgés, on est tous pères de famille. C'est assez difficile de tous être réunis sur des projets communs aujourd'hui. Et effectivement, maintenant, on essaye de se réunir à deux ou trois ou par binôme pour faire des créations. C'est surtout le but, mais on est rarement tous disponibles en même temps. Il y en a qui sont à l'étranger ou à l'autre bout du monde. Mais en tout cas, c'est des moments qui sont rares et qui deviennent de plus en plus rares et qui seront de plus en plus forts. Donc, à suivre. Bon, mais c'est une. Non, mais en tout cas, c'est un super projet. Bah, c'est pas un super projet, c'est une super histoire parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous arrivés à un niveau de notoriété dans ce qu'on appelle aujourd'hui le street art. Vous êtes tous, quelle que soit votre discipline, au sommet un petit peu de cet art. Donc, bah, merci déjà. Franchement. Merci, mais c'est un parcours, quoi. C'est pas fini. Du coup, on avance. Chacun fait sa route et des fois, on se retrouve, nos chemins se recroisent sur certains projets, mais chacun fait aussi sa route maintenant. Mais voilà, on ne coupe pas le fil, quoi. Ouais, c'est génial. D'ailleurs, bah, écoute, voilà, ça s'en vient à la question que je voulais te poser. Il y a quelques références sur ce bel éléphant entièrement tagué là, que tu nous as fait. Tu peux nous faire un petit débrief ou listing ou historique de ce qu'il y a sur l'éléphant. De ce qu'il y a sur l'éléphant. Alors, moi, ce qui m'amuse sur l'éléphant, c'est qu'en général, les gens, juste ça pour info, ils n'aiment pas le tag, ils n'aiment pas le graph, ils n'aiment pas le vandal. Moi, ce qui m'amuse, c'est de faire du graph et du vandal, de lui apporter du fond, de lui apporter une histoire, de lui apporter une légitimité et du coup de le faire passer autrement, tout en me faisant plaisir en les faisant. Mais effectivement, du coup, là, les gens le voient différemment. Et du coup, après, à chaque fois, moi, je marque aussi bien des prénoms de mes enfants, aussi bien des clins d'œil à ce que je vis sur le moment où je fais la peinture, je fais le mur, donc aussi bien voilà le festival, l'affiche du festival. Merci. Aussi bien que des anecdotes qui m'arrivent au quotidien, aussi bien que des rencontres, bref, et l'actualité surtout. Du coup, il y a plein de petits slogans, de petites phrases qui marquent le moment précis où je fais mes peintures. Et du coup, ça marque ça dans le temps et les gens peuvent aussi prendre ça comme référence pour se rappeler à tel ou tel moment, il s'est passé ça, il y avait ça, ça et ça. Voilà. Donc, c'est un peu une histoire personnelle et universelle. Et si tu nous fais un petit débrief, donc il y a du BR, Fucktoy, bon là on comprend, DMV aussi. Tes enfants. Ok, ah. Fake, il y a un BES qui traîne quelque part. Bah après, il y a quelques bénévoles aussi qui ont aidé. Ouais. C'est des belles rencontres à chaque fois, effectivement. Karim le boss. Et après, il y en a plein qui manquent, qu'on ne voit plus parce que je suis revenu dessus en les ombrageant. Mais après, c'est aussi le cœur qui a fait ça. Du coup, moi, je sais ce que j'y ai fait. Je sais, voilà. Non, mais c'est après, génial. C'est amusant. C'est pour une anecdote. Mais effectivement, en plus, voilà, j'ai voulu m'inspirer un peu d'une histoire qui a marqué son temps aussi à Grenoble par rapport à Hannibal qui a traversé les Alpes pour mettre Rome à terre. Alors qu'après moult essais, ils ne sont jamais arrivés à battre les Romains. Et Hannibal est arrivé avec ses éléphants. Il est parti de Grenoble, il a traversé les Alpes, il a réussi à mettre Rome à genoux. Du coup, voilà, ça me paraissait important. À chaque fois, j'essaye de m'inspirer de ce qui s'est passé là où je peins pour faire quelque chose qui parle aux habitants et qui est vraiment un lien et une connexion. La dernière fois, c'était à Montparnasse et j'avais fait cette fameuse locomotive qui traverse la gare et qui tombe de la gare. Donc voilà, à chaque fois, ça m'amuse aussi de reprendre l'histoire. Bon, là, tu me coupes un peu une question sous le pied, si je puis dire. C'est impeccable. Tu racontes un peu ce qu'il y a derrière, en fait. Les gens se rendent pas bien compte qu'en fait derrière un projet il y a des heures de discussion, des mois d'échanges.
tu sais, ça fait la troisième année qu'on t'invite, tu as réussi à te libérer cette année, on te remercie parce que bon, voilà, nous, on est super fiers de pouvoir t'accueillir. Et, merci. Mais bon, voilà, c'est des process qui sont assez longs, ne serait-ce que aussi avoir un mur, avoir l'autorisation d'une copropriété pour qu'elle valide ce truc-là, faire des échanges. Tu nous as fait beaucoup de propositions, à chaque fois elles étaient argumentées. Donc, c'est agréable d'avoir accès à des artistes qui, comme ça, prennent en considération et l'environnement, les desiderata des gens, et essayer d'expliquer un peu le. Bah. Ça se perd. C'est oui. Bah après, c'est ça me paraît logique dans le sens où là, on vient, on s'impose dans au pied des riverains qui vivent là depuis 10, 20, 30 ans. On va leur rapporter ça devant eux, devant leur nez. Et du coup, ça, voilà, ça vient juste casser leurs habitudes. Et il y en a qui aiment ou qui aiment pas. Ça, c'est pas le problème. Après, les goûts, les couleurs, c'est difficile de se prononcer, de savoir qui va apprécier ou pas. Mais en tout cas, le fait de s'intéresser un peu à l'histoire du quartier ou de la ville, voilà, ça apporte un peu de fond et ça manque un peu régulièrement dans le domaine du street art, juste se pencher un peu plus que autre chose que la forme, mais le fond. Donc après, ça peut être très simple et basique, hein, mais voilà, du coup, ça apporte aussi après le lien avec les riverains et la communication et l'explication, et du coup, voilà, ça crée quelque chose aussi qui est important. Tu m'as dit plusieurs fois que tu essayais un truc, que tu voulais tenter un nouveau truc. Tu as mis du temps pour faire cette fresque, elle est dans les tons hyper pastels et à la fois hyper contrastés. Est-ce que, un peu, d'un point de vue un peu plus technique, peut-être tu peux nous expliquer ce que tu as fait, comment tu as innové, ce que tu as réussi à faire à cet endroit? Parce que, bon, voilà, on en voit passer du street art, on commence à en voir un bon paquet. Moi, j'en bouffe matin, midi et soir. Et franchement, c'est une réalisation incroyable. Déjà, merci déjà encore pour ces compliments. Je me mets le nez devant parce qu'il faut que je la re-regarde pour en parler correctement. C'est vrai qu'en fait, ce mur, pour moi, il représente pas un nouveau départ, mais c'est vraiment un passage aussi bien sur ma vie professionnelle, sur ma vie en général, on va dire ça comme ça, et aussi bien sur ma technique et sur le plaisir de faire, on va dire, voilà. Donc là, j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé de faire tous mes comptes. En fait, il n'y a quasiment pas de bombe de peinture. Pour différentes raisons, non seulement déjà c'est physique, j'ai vraiment du mal avec la peinture aujourd'hui, avec la bombe pour les odeurs, bref, ça fait 30 piges et j'en peux plus déjà. Normal. Et surtout, c'est le rendu et la matière qu'on obtient grâce à une bombe, et je m'en suis vraiment lassé, c'est trop lisse, c'est trop fin, c'est trop propre. Du coup, avec le rouleau, j'arrive à quelque chose qui est beaucoup plus lâché, qui se rapproche beaucoup plus de ce que je suis, de ce que je fais en dessin, du trait que je recherche. Voilà, y a des accidents qui se créent. En fait, c'est ça que je veux. C'est très dur de casser, on va dire, même l'inconscient, il est toujours contrôlé par notre esprit et par des rythmes. Et c'est très difficile de les casser, d'aller outre là où nous porte notre corps. Et c'est un peu ce que je cherche à faire aujourd'hui, c'est à prendre autant de plaisir et de découverte, aussi bien quand je fais ma couleur, que je fais mon contour, que je fasse quoi que ce soit. Et le processus que j'ai utilisé pour réaliser ce mur est vraiment nouveau pour moi. Voilà. Donc c'est tout un ordre et un ordre d'étapes pour arriver à ça. Ça a été un peu long et fastidieux, mais je ne regrette rien. Car il y a beaucoup d'essais, beaucoup. C'est une improvisation. On savait à la base que j'allais faire un éléphant, mais tout le reste, c'est de l'impro. C'est le trait du présent qui va définir le trait suivant. Et je fonctionne comme ça. Et nous, on a été super surpris de voir cette commande de blanc avec plein de pigments. Ouais. Ça, c'est aussi un peu nouveau pour nous. Quoi, hein, ouais. Mais, pour moi aussi. Non, mais c'est génial parce que nous, on est ravis de pouvoir offrir aux artistes une page blanche et puis surtout d'affirmer, entre guillemets, que vous pouvez faire des tests ici. Quoi, tu vois, c'est pas, ça prend du temps. Ça prend du ça temps. Ça prend du temps, mais, c'est des risques. Mais là, je savais où j'allais, quoi, vraiment. C'est pas encore fini. Hein. Il y a encore un peu de taf demain, mais en tout cas, là, pour une fois, je suis arrivé à ce que je, vraiment ce que je percevais dans ma tête. Et juste, ça me motive pour la suite. Bon, voilà. Bah, si jamais on peut participer à un nouveau départ. Tu m'invites avec les DMV, on va venir à 8 vous faire un gros mur. Ouais, ou alors, grosse organisation. Vous venez 8 chacun, votre tour, faire 8 murs. On peut ça aussi. Et à la fin, au bout de 8 ans, un DMV par an. Et à la fin, dans 8 ans, tu fais un festival. Un mur DMV. Faut prévoir à l'avance. À 8 ans, ça va. À voir. On a fait le tour. Merci, Bosco. You're welcome.